What's going on, guys? Waco from Revolution, here with the man, the myth, the legend, an incredible person, a great human being, and someone that has really contributed to the contemporary scene of independent watchmaking in a profound way, and that is Laurent Ferrier. Comment ça va, Laurent? Très bien, mais ravi de t'accueillir chez nous. Ah, mais c'est moi. We are in a time where independent watchmaking is flourishing like we've never seen before. You know, for me, I have always thought it's because there's nothing more personal than a watch created by a human being with one individual that has a vision that he gets to see the creation of something from beginning to end. Pourquoi ça réussit en particulier à ce moment? Alors, actuellement, toute horlogerie va bien. C'est magnifique, on est ravis, tout le monde va bien. Nous, on a des clients qui sont très satisfaits de ce qu'on produit comme pièce, puisqu'on est resté hyper classique depuis le moment où on a sorti le premier tourbillon il y a maintenant plus de 10 ans. L'idée de base était vraiment de dire on fait ce qui se faisait il y a 50 ans ou plus dans les grandes marques prestigieuses. On est allé beaucoup plus loin dans la terminaison, des ponts, et tout devait être au maximum de la qualité. Rien n'est jamais parfait. L'idée était vraiment de faire... les aiguilles sont particulières, ce n'est pas des aiguilles qui sont juste frappées comme ça se fait en règle générale. Ça prend évidemment plus de temps. Nos fournisseurs nous disent aussi qu'on peut les faire parce qu'on a un volume relativement réduit de production. On ne pourrait pas faire ça à 2000 exemplaires facilement, heureusement pour nous. Donc l'idée était vraiment d'avoir une pièce classique et qu'on puisse porter pendant très longtemps et qu'on ait toujours le même plaisir à porter. Donc on a un plaisir esthétique, esthétique aussi dans la terminaison du mouvement, où on se donne beaucoup de peine pour être au maximum de la qualité de ce qui se faisait il y a longtemps, bien que la qualité actuelle des grandes marques soit excellente. Simplement, elle est industrielle, alors que nous, on le fait manuellement. Fabuleux. So you guys will now have been reading the subtitles for that as well, so you'll understand exactly what the vision of Laurent has been. But I would say something that's really interesting to me is that in independent watchmaking, every watchmaker or brand has the capacity to be singular, to have a unique voice. So there are some that are very futuristic, and I would put maybe Uhlwerk in that category. There are some that are a bit Jules Verne, Vianney Halter would be one of those. François-Paul Jean, for example, is very much inspired by the 18th century. But I would say that there is no greater person or brand when it comes to neoclassical watchmaking than Laurent Ferrier. Time is the best judge of success, and I was saying to Laurent 14 years ago in 2009 when he launched his brand, the aesthetic blueprint he created was so beautiful that today it resonates with even more charm. Plus belle, c'est bien si elle devient plus belle, parce que c'est pas mon cas. Mais avec l'âge. Non, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est tellement classique et elle a quand même certaines formes particulières que les autres n'ont pas. C'est des détails, mais c'est des détails, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est comme le visage humain, il peut y avoir 10 hommes qui sont tous beaux. Et puis parmi ces 10, s'il y en a un, on dit oh, qu'est-ce qu'il a de plus, oui. Et on le sait même pas obligatoirement, hein, mais on dit c'est marrant, il y a un équilibre général qui est différent et qu'on peut difficilement reproduire, sinon tout le monde le ferait. Et je crois que l'avantage de nos pièces, comme je disais tout à l'heure, c'est cette espèce d'équilibre général. Quand on met la pièce au poignet, on cherche qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ouais. Et on se dit, alors, on peut toujours améliorer quelque chose au niveau de la taille, mais l'équilibre général est bien réussi. Et c'est pour ça qu'on a, au niveau des pièces classiques, c'est la même forme, qui est plus ou moins épaisse en fonction du mouvement, qui est plus ou moins compliqué. Mais la forme générale, les cornes aussi, la pièce est très ronde, comme les pièces de poche du siècle dernier, mais le côté est vertical. Et sur les cornes, ça part légèrement comme ça en arrondi. Et c'est ce qui lui donne un petit côté moderne par rapport à d'anciennes pièces très rondes, mais qui étaient très très belles déjà.
Mais là, ça lui donne juste le petit côté moderne que si on ne l'avait pas fait, on aurait eu une pièce qui pouvait sembler sortir d'un tiroir d'il y a 40 ans. Excellent. So, you know, Laurent was explaining the. To me, he's the master of refinement, nuance, and detail. And when he comes to the case, for example, he wanted to create a case that was round, almost like the old pocket watches, right? And also, there's almost an organic form to it as well. I think he's always described to me the case as kind of being similar to a stone that you would take from the river that's been worn smooth by time. But at the same time, the flanks of the watch are vertical, and this gives it a dynamic modernism as well. And I think the dynamic tension between these two make a watch that's so appealing. Then, as he was speaking about earlier as well, the refinement of the hands, of the indexes, of every detail are absolutely stunning. Mais Laurent, quand vous avez lancé votre marque, vous avez commencé avec ce tourbillon. Et il y a des clients qui demandent à vous, Laurent, est-ce que c'est possible de créer une montre un peu plus simple? Parce que peut-être moi, je ne peux pas acheter un tourbillon. Et vous avez pensé, oui, c'est possible, mais je veux créer quelque chose qui est le même niveau en artisan, le même niveau en terminaison, le même niveau en visuellement. Et vous avez créé cet extraordinaire calibre micro-rotaire avec échappement naturel. Dis-moi pourquoi. Alors, c'est assez simple. Quand on a sorti le tourbillon, il y a effectivement beaucoup de clients qui nous ont dit « la pièce est magnifique, mais ce n'est pas dans notre catégorie de prix ». Quand on a sorti le tourbillon, on y a pensé en 2008, donc c'était au moment de la crise. Donc, on s'est dit qu'il ne fallait pas sortir une pièce à 40-50 000 francs, ce qui aurait été le cas d'une pièce normale. Et que Patek, plein de très très belles marques, avaient des pièces magnifiques à 20-25 000 francs. Et nous, évidemment, on ne pouvait pas arriver à ce niveau-là du fait du nombre de pièces qu'on allait produire. Donc on a commencé par faire une pièce chère et le but était simple, c'était de se dire on va faire une très belle pièce, tourbillon, double spirale, et puis on va voir s'il y a un intérêt, s'il n'y a pas d'intérêt, bon, on s'arrêtera et puis je prendrai ma retraite et mon ami François Servanin aussi. Donc comme l'esthétique et l'idée de base a bien plu, les clients nous ont dit mais faites-nous une pièce qui soit en dessous de 50 000 francs. Et pour arriver à ça, comme je viens de le dire, il y a de très très belles marques qui avaient des montres avec un échappement normal qui coûtait 25 000 francs. On a dit on va trouver une solution pour mettre un petit plus. Et c'est là qu'on a pensé à utiliser l'échappement naturel de Breguet, ce qui était dans un premier temps extrêmement facile et simple à mettre en place, ce qu'il était un tout petit peu moins en réalité, preuve que peu de maisons ont utilisé le système, à part notre ami François Paul Journe et puis Carrie. Donc c'était l'avantage d'avoir vraiment un échappement très très particulier. So for me, what I think about this watch is it really is an extraordinary horological achievement as well. As we were discussing, there are only three watchmakers that are creating watches with Breguet's Echappement Naturel. One is Kari Voutilainen, the other is François-Paul Journe, who uses it in his Chronometre Optimum, and the third is Laurent Ferrier, which uses it in this beautiful classic micro-rotor. Now what I find remarkable about this is that this escapement has been around for over 200 years, but there are so few people who have the technical bravado to implement it, right? And it is an escapement that Breguet created to run without lubrication, and you've got two wheels that are turning, impulsing a central lever that impulses the balance wheel directly in both directions, which is different from a Swiss anchor, which only impulses it with each alternate swing as well. So from a technical perspective, it's extraordinary. It consumes somehow much less power as well, because for example, in a micro rotor watch, normally it takes 300 turns to turn the barrel one full turn, but in this watch, it only takes 200. So it's a kind of demonstration of the efficiency of the escapement as well. But it's a beautiful watch to behold. Laurent, vous avez une
capacité esthétique avec le cadran secteur, en particulier ce qui est magnifique. Si je ne me trompe pas, je pense qu'en 2015, vous avez créé un montre pour Only Watch avec cet extraordinaire cadran. Dis-moi pourquoi vous avez une affection pour ce type de cadran. Alors, c'est des cadrans qui sont extrêmement classiques des années 50, 60, et c'est des beaux cadrans. On en a fait effectivement pas mal, le premier pour Only Watch. On avait parlé aussi à l'époque avec Auerbach, oui. Qui nous avait dit « Ah oui, les cadrans comme ça, zone, sont recherchés ». Je les aime bien. Personnellement, j'ai tendance à plutôt enlever des composants sur un cadran plutôt qu'à en remettre. Oui. Donc, pour nous, on le fait exceptionnellement, entre autres, pour toi. Oh, mais c'est vrai qu'au départ, on a tendance à moins faire des cadrans de zone pour avoir un cadran le plus pur possible. Tu oui. te rappelles du premier tourbillon, c'était un émail blanc avec des romains. Oui. Quand on en parle comme ça, on dit non, émail blanc avec des romains, ça vaut pas le coup, faut faire quelque chose de plus compliqué. Oui. Mais les deux zones peuvent être extrêmement intéressantes et les cadrans qu'on a fait pour ces deux pièces que vous allez avoir sont très très esthétiques. Merci beaucoup. As Lauren was explaining that traditionally his designs for dials are as pure as possible. A bit like, I would say, like Zen Buddhism or haiku poetry, you know. It's about reduction to the barest minimum. But because he's very kind to me, he agreed to make a sector dial watch for me initially, which we did on the base of the classic Origin, Emmanuel Y movement. And then the next year, we made a watch, one with Emmanuel Y movement and the other with this incredible micro-rotor Echappement Naturel, with, I would say, an even more expressive sector dial with applied Breguet numerals, which also was a huge favor from Laurent to me as well, because he's very kind to me. But this year, we have created this extraordinary timepiece, which is also a sector dial watch, but I would say a sector dial watch that lifts the language of sector dials to an unprecedented level of elegance. Alors, le design, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question d'équilibre, de ouais. taille entre les chiffres, le cadre central. On pourrait faire le même cadran qui n'ait pas cet équilibre et qui justement n'ait pas l'intérêt visuel. Oui. Hein? On s'en rend compte avec nos clients en règle générale, ils sont attirés par un objet esthétique. Et puis après, ils vont plus loin en disant « Ah tiens, comme la partie centrale est intéressante, ou les breguets, on aime bien les breguets, ouais. ou d'autres index. » Mais le premier contact, c'est le visuel général, et c'est l'équilibre général qui est important, dans tous les cadrans. Yeah, it's the visual balance of this. It's extraordinary. And the idea of the sector track being applied with these extraordinary refined thin lines to it is so beautiful. Dis-moi un peu de votre choix de couleur ici. C'est un vert. Il vient profondeur, qui est très riche, mais à la même moment, il y a une élégance qui est très Laurent Ferrier aussi. J'aime évidemment bien le vert, parce qu'en général, le vert est une belle couleur. L'intérêt, il ne faut pas qu'il soit trop flash. Oui. Faut pas que ça... Alors, de nouveau, ça dépend de la marque. Suivant quelle marque, ils peuvent avoir un verre extrêmement puissant et qui saute aux yeux. Nous, on essaye toujours. On a sorti deux cadrans verts pour Watch Wonder, qui sont aussi des verres qui sont très, très doux, qui sont profonds, mais très doux. De nouveau, c'est des teintes qu'on peut porter avec un smoking, par exemple, oui, ou avec un blouson, oui. sans problème. Yeah, I was asking Laurent about his choice of the color green because it has so much richness and depth to it. And as we discussed also, I would later learn was a little bit inspired by the Amazon rainforest, hence the name Amazonia. But for Laurent, he didn't want to create a color that was too flashy or too in your face. And I think that this is, again, the mastery of subtlety
that is represented by Laurent Ferrier. This is a watch that would work perfectly well with a tuxedo. And you know, when I hold it in my hands, quand je mets sur le poignet, si je le mets dans la main, il y a une harmonie visuelle au niveau de forme aussi, au niveau de design, avec un mouvement extraordinaire. C'est un montre parfait. Ben merci, je crois que nul n'est parfait, mais on essaye de se rapprocher. Mais en tout cas, de notre plaisir à nous, on peut avoir une vue différente de certains objets qu'on peut trouver élégants ou moins élégants. Mais c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir bien des clients qui trouvent que l'équilibre est agréable et que c'est une pièce qu'on pourra porter pendant longtemps. Oui, absolument. Vous avez absolument raison. So, ladies and gentlemen, there you go. This is the Laurent Ferrier 4 Revolution Classic Micro Rotor with this stunning sector dial, Amazonia. We've nicknamed it because it reminds us of the beautiful color of this rainforest, which is an incredibly important natural resource. And the watch is perfect. It's got our kind of signature a yellow gold frosted finish with the handmade angles, which are being made just upstairs, because I've seen the hand finishing workshop here. It's votre terminaison bureau. Il y a beaucoup de gens maintenant. Il y a beaucoup de monde maintenant. Non, parce que c'est une terminaison qui est délicate à réaliser. Oui. Il faut les gens qui soient formés pour ça. Oui. Et une fois qu'ils sont formés, il faut les garder. Et je pense que ceux qu'on a ont envie de rester et de continuer à faire des pièces de jolie qualité. Fabuleux. Laurent, merci beaucoup. C'est un très grand honneur. Merci, ouais. Thank you guys for joining us. Cheers. Merci.